Imaginez que votre meilleur ami est à la fois votre pire ennemi. Une rivalité qui ne date pas d'hier. Deux colocataires, deux personnalités aux antipodes. Un combat sans merci, une lutte pour l'honneur et pour éviter la claque finale. Frank versus Girard. Cette semaine, le défi, qui est le meilleur sportif d'été? Trois épreuves, meilleur navigateur, meilleur golfeur, meilleur footballeur. Et tu dois être déçu, Girard, hein? Parce que toi, les sports que tu pratiques l'été, c'est plus la pétanque, le croquet, Marco Polo. t'oublies la marelle et la chasse aux papillons? Je suis désolé, j'avais oublié. Ton arrogance cache une profonde insécurité. Supériorité, tu veux dire? Jappe, mon petit caniche. Jappe. Est-ce que c'est moi ou il est pas comme d'habitude? Gérard, est-ce que tu serais fait une petite amie à l'école? Impossible. J'ai décidé de baser ma stratégie cette semaine sur l'honnêteté. Gérard? Mmh? Viens ici, faut que je te parle. Gérard, j'ai décidé d'être honnête avec toi cette semaine. Je vais te torcher. Excuse-moi. Non, non, mais... Ma stratégie cette semaine, utiliser de manière habile et complémentaire deux armes que je possède parfaitement, IE, le corps et l'esprit, un dosage parfait entre planification et articulation, entre anticipation et génuflexion. Un corps de guerrier, un cerveau de stratège, la victoire sera titanesque, gargantuesque, pantagruelle et... une grosse victoire. Qui dit sécurité ne dit pas absence de plaisir. Donc, je suis là pour essayer quelques vêtements de flottaison pour le défi de navigateur demain. Et je pense que je vais m'amuser un petit peu en même temps. Plaisir 9, sécurité 2. Style 7, efficacité... C'est ce qu'on va voir. À date, c'est le meilleur rapport sécurité-plaisir. Je me suis renseigné auprès d'une avocate et le terme navigateur n'indique pas de précision quant au nombre de personnes de l'équipage de l'embarcation. Première épreuve, meilleur navigateur. Frank et moi, on va faire une course entre deux bouées sur le canal. La Chine, donc mon bateau dragon m'attend, une équipe que j'ai baptisée pour aujourd'hui les Dragonaux, dragon au petit dragon. Je m'en vais les rejoindre. Salut! Salut, mon équipe, c'est moi qui va barrer aujourd'hui. Je m'attends de vous de. Excuse-moi, je pense que tu t'es vraiment trompé de rame. C'est ça ta rame. Plus grand. Bon, parfait. Alors, il n'y a qu'un seul capitaine à bord, comme disait Walt Whitman au capitaine, my captain. Mon grand-père m'a appris la voile.
En héritage, il m'a légué sa passion, mais aussi son maillot de bain. Come on! C'est quoi ça? Hey, oh, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe, gérant? C'est quoi tout ça, là? C'est mon équipage, les dragonneaux. Non, les dragonneaux, on descend du bateau. Non, on ne descend pas. Restez au bateau. Je me suis informé, on a droit à un équipage aussi nombreux qu'on veut. Ah oui, un meilleur navigateur, puis toi, tu t'amènes toute ton équipe. T'es pas capable de le faire toi-même. Oui, je suis capable. Je suis le navigateur du bateau dragon. OK, les canetons, on descend là. Non, les canetons, les dragonneaux. Les dragonneaux, on reste au bateau. Ton maillot de bain n'est pas réglementaire et ta veste doit pas être très sécuritaire. C'est quoi le rapport? Ma veste est très sécuritaire, elle a été testée par des professionnels. Mon maillot de bain est un maillot de bain d'époque, noble, que mon grand-père m'a légué parce que je fais de la voile et que c'est un sport noble qui se pratique seul. Je n'ai pas besoin des canardos pour faire le sport. Puis les petits commentaires sur les tenues vestimentaires, je veux dire, tu t'habilles en caca assez souvent, là, je pense que t'es pas très bien placé pour en passer. Peut-être que je m'habille en caca, mais au moins je... Bonne chance, les dragons d'eau. Départ de course dans 3, 2, 1... Les dragonneaux. Les dragonneaux, vous avez perdu. Dragon, papa dragon, bébé dragon, tout le monde a perdu. 1-0. S'il y a des gens dans les cantonaux qui veulent venir manger une pizza, je vous paye la pizza. Vous avez bien travaillé. Hey, c'est les dragonneaux, OK? Hey, on, hein? On... Hey, les dragonneaux, tu sais, on garde un bon... Non, mais... Ça, c'est l'esprit du dragon. Ça, c'est l'esprit du dragon en feu. On perd pas courage. Gérard, il est super bon au golf. Je pense même qu'il est ambidex. En tout cas, j'espère. Là. Parce que là, je suis en train de changer ses bâtons gauchers par des bâtons droitiers. Ah, ça va être une belle journée en plein air. En harmonie. Et la joie. Et je comprends pas, j'étais sûr que je l'avais frappé dans ce coin-ci. Je l'ai vu atterrir près d'ici, voyons. Y a pas quelqu'un qui aurait vu ma balle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma balle! Mais est-ce qu'elle est assez bien placée ou ça serait pas peut-être celle-là, ma balle aussi? Oh oui, elle est mieux placée! Christian Ancelin, cadet, mais d'abord et avant tout maître à penser, enseignant, grand philosophe devant l'infini. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette deuxième épreuve, meilleur golfeur, on aura un trou à faire.
Christian, un mot pour la postérité? Ben, je suis là de... très content d'être avec toi. Ouais. On va essayer de se faire gagner, là, puis il faut rester calme, hein? Ouais. Du coup, je me disais peut-être un bois 3? Un bois 3, on peut prendre un bois 3, là. Il y a pas mal de vent. C'est quoi, là? En deux, on devrait être capable d'aller en deux, là, peut-être. Il n'y a vraiment aucun respect. Oh, 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 oh. C'est vraiment ridicule. Wow, wow, wow! Hey, baisse la musique, là, on est sur un terrain de golf. J'entends rien! Attends, je vais baisser la musique! Quoi? Viens-t'en, là, on commence! Le sac, apporte pas ton sac. C'est quoi l'affaire, là? Quoi, t'as amené Christian? T'es pas capable encore de te débrouiller tout seul, t'as pas eu ta leçon? À mon niveau, il faut un cadet. Bon, Christian, vous avez pas compris qu'il y a plus de talent, lui? Hey, on peut-tu commencer, là? Bon, ouais, je suis prêt à commencer. Parfait, vas-y. Je suis prêt, là. Hey, arrêtez de rire, vous autres, là. Le golf, c'est du respect que ça prend! Moi, j'ai peut-être mon vieux 3. Hein. Oui, ton vieux 3. Non, c'est pas ça, là. Hein? C'est pas à moi. C'est pas à toi. Comment c'est pas à toi? Mais c'est pas ça, là. Ah, c'est des... C'est... Mais non, mais c'est des bâtons droitiers. Ça, droitier, c'est pas mes bâtons, là. C'est pas mes bâtons, là. Y'a quelqu'un qui a changé mes bâtons, là. C'est Frank qui a changé mes bâtons. Là. Frank, t'as changé mes bâtons! Calme-toi, calme-toi. J'ai rien changé, moi, mais de c'est quoi? Pas mes bâtons, ça. Y'a quelqu'un qui a changé mes bâtons. J'ai peut-être trompé de set. Je me suis pas trompé de ça, c'est mon sac. Prends mes bâtons de bord. C'est... Quoi? C'est des droitiers, tes bâtons aussi. Moi, je suis gaucher. Calme. Eh non, je pense pas. Respire un peu. Hey, moi aussi, je suis fâché, là. Moi aussi, là, j'ai calé dans le bois. Moi aussi, je suis fâché. Ouais, c'est ridicule, là. C'est pas mon côté. Alors, ce sera le premier coup de Guillaume. Il s'apprête, il s'élance. Il... Oh! Une petite motte. Ah! Oh, quand même bien. Bravo, Guillaume. T'es trop loin. Elle est tombée dans le bois. Je suis sûr qu'elle a ricoché. Je l'ai pas vue là-bas. Non, elle est tombée par ici. Oups. Hey, on dirait que c'est ma balle, ça. Ça se peut pas, Frank. Elle était trop loin! Il me semble qu'elle a ricoché! Qu'est-ce que j'avais dit? Un ricochet? Ouais. Top flight numéro 3, c'est ma balle, ça. Oui, c'est bon. Toi, ta balle est là-bas, là. Tu l'as pas fait ton coup? Non, je vais aller le faire, là. Gérard, qu'est-ce que tu fais, là? Hey, je suis à mon sixième couche à côté du green, là. Il y a un autobus de monde qui attend. Ça fait... T'es rendu à combien, toi? À 14 coups, là. 14 coups, 14 mottes. Ça aura pris 17 coups, mais je peux enfin jouer de mon côté avec mon putter. Qu'est-ce que tu fais, là? Attends, qu'est-ce que tu fais? C'est juste qu'il y a un gars qui voulait faire un départ. Hey, c'est pour ta survie que je l'ai fait, Gérard. Est-ce qu'on se comprend bien, l'ami? Ouais. OK, range ça, là. Range ça, maintenant. C'est organisé. Le gars, il tirera pas tout de suite. Et je l'ai accroché. Sois zen, Gérard. Pour un gars que c'est sa première journée au golf.
Alors, on se rappelle les scores. 10. 19. J'ai pas bien entendu, Guillaume. 19. Merci! Je gagne la deuxième épreuve. 2-0. Je suis le gagnant du défi meilleur sportif d'été! Aïe, aïe. Je savais que j'allais gagner, mais là, je t'ai détruit. 2-0. Et tu peux pas dire que je suis pas ton ami, là, j'ai le goût de te proposer quelque chose. Un triple au pair. C'est quoi, c'est un triple au pair? Si je gagne la prochaine épreuve, je triple ton humiliation. Si je perds, tu gagnes le défi. Écoute, en temps normal, j'accepterais pas ton invitation, mais là, je sens que du point de vue de l'intégrité, c'est mon devoir de dire oui. C'est un deal? Triple. Ou pas? Salut! On a rendez-vous, Bernier Girard, à 16h. Pour le massage? Ouais. Ça sera pas long, vous pouvez vous asseoir. Ok, super, merci. Aïe, aïe. J'espère que je vais avoir une fille. Mais y a pas de gars qui fait ça. Eh oui, y'en a. Eh oui, y'en a des masseurs. Monsieur Girard, je suis Johnny, votre massothérapeute. Ah. Je l'avais dit, Girard. Y'en a. Ah oui, ça... On dirait que je sens que ça pourrait me faire du bien, mais pas tout de suite. Oh! 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 Un ami Johnny, c'est un massothérapeute, mais il est aussi lutteur. Là, je pense que je suis correct, là. Là, je suis assis, je t'ai tiré. Juste un peu plus. Ah oh, non! Non, mais là, je... OK, là, c'est... On est plusieurs centimètres après la limite, là. J'ai demandé de faire un massage spécial pour Girard. Un massage tout en douleur. En profondeur. OK. Je tasse le OK. OK, là, je suis bien, là. Ça va, là. Ah, t'as déjà fini? Ah, ouais. Je viens juste d'arriver, là. C'était bon, la fille était comme toute douce avec moi, tu sais, je me suis endormi. Toi, comment ça a été? Super bien, là, viens-t'en, on s'en va. T'es sûr? Oui, viens. T'as entendu? Non. Ben voyons, c'est bizarre, après un massage tendu. Troisième épreuve, football! On est au cégep! OK, c'est bon. Épreuve ultime, on est au cégep d'Édouard, mon petit. On va devoir dépasser la ligne défensive des Lynx. Oh. Des gars très grands et très gros. Oui. D'ailleurs, tu pourras jamais dire que je suis pas ton ami. Je t'ai offert le triple ou pair. Là, je risque de me faire casser la colonne vertébrale là, par ces gros gars-là. Je pourrais être en train de faire un pique-nique avec une fille. Ça serait sublime, oui, mais et non. J'en profite pour te remercier publiquement. Je suis pas ton ami, moi? Oh, excuse-moi. Oh. Excuse-moi. Hey, hey. Je suis désolé. OK, là, les gars sont vraiment, vraiment gros. Puis pour vrai, j'ai la chienne. J'aurais jamais dû accepter ça. Fait que le panache d'orignal dans ma chambre, je le lègue à Girard. Je prends... Come on! Girard, man, fais pas ça. Fais pas ça, je te jure, man. Faut pas que tu fasses ça, ça fait ben trop mal. Ça fait trop mal, fais-le pas. Non, mais là, je peux pas. J'ai les genoux finis. Ok. Merci, gars. Bonne chance, Gérard. Il va se faire torcher. Bonne chance, les gars.
Ça hot! Oh shit! Oh! What? Gérard! T'as perdu, Gérard! T'as perdu! J'ai gagné 3-0, man! 3-0! Mais non, mais il est pas blessé, lui, là! Humiliation totale! J'ai une belle surprise pour vous. J'ai trouvé la plus laide coureuse de balles du monde. Et c'est ici que je l'ai trouvée, à Longueuil. Elle s'appelle Guillerma Girard. Bonjour, c'est moi qui va ramasser vos balles aujourd'hui. J'ai Guillaume, le... c'est moi qui Guillerma. Va ramasser vos balles. Guillerma! Guillerma, je suis Guillerma, donc... Bonjour, Guillerma. Bonjour. Des beaux bagues, merci, oui, merci. Vas-y, ma belle. Plus vite, quand même. Faut être un petit peu plus rapide, là. T'es ravissante. Souris. Souris. C'est vraiment pas cool. Souris. Courage, Garmina, il reste qu'un set. Allez, dépêche-toi, t'as entendu ce que les messieurs disent, là? Plus rapide, ma belle. Je vais la former, elle va être prête pour les internationaux l'an prochain. Ça a bien été, messieurs? Oui, elle a bien fait ça. Besoin d'entraînement encore. Ben, je vais vous la ramener la semaine prochaine. Parfait. Merci. Merci. Au revoir. À la prochaine. T'es-tu fâché, là? OK, attends. Hey! Attends, une petite dernière, juste pour moi. Va chercher! Va chercher la balle! Non. Va chercher, ma belle! Va! Mais là! Guillermina! Ok, ça tire maintenant, ça tire la poêle. On va trouver d'autres choses, ok? Plus vite, belle toutoune! On sourit!